Orlan, l'unica donna che ha fatto parlare i critici di opera d'arte vivente. L'artista che si fece impiantare due protesi di silicone sulla fronte. C'est bien évident qu'il y a tellement de pression sur le corps et que la société, les structures, les institutions fabriquent les corps et que l'idéologie dominante fabrique les corps. Et donc effectivement, pour une femme, cette éternelle beauté, cette éternelle jeunesse que nous devons absolument avoir, où toutes les femmes, pour être belles, doivent avoir le nez retroussé, les pommettes saillantes, les yeux fendus et en étoile, et puis la bouche bien pulpeuse. Moi, je suis une artiste multimédia qui fait un travail qui passe d'ailleurs tantôt, qui s'intéresse à l'architecture et à plein d'autres choses. Et j'essaie de ne pas avoir, si vous voulez, de mur dans la tête dans lequel les pratiques artistiques ne pourraient pas passer. Donc je suis plutôt une passeuse, je suis quelqu'un de transversal et qui utilise aussi bien les nouvelles technologies, le virtuel, que le réel. J'essaye de trouver une sorte de nouveaux critères de beauté qui pourraient tout à fait nous convenir dans notre société, malgré tous les a priori que nous avons là-dessus. Tout mon travail, il y a toujours effectivement ou de la parodie, ou de l'ironie, ou quelque chose qui grince et qui montre bien que je ne suis pas complètement dans ce que je suis en train de faire, mais toujours à distance de ce que je suis en train de faire et de dénoncer. Mon travail d'opération chirurgicale performance, où j'ai fait mettre par exemple des implants qui sont habituellement mis sur les pommettes, sur le front de chaque côté du corps, parle à la fois d'un corps mutant, donc son travail par rapport à la cyberculture, et pose des questions du statut du corps dans notre société via les manipulations génétiques, mais aussi j'essaye de montrer que l'apparence, la beauté peut prendre des apparences qui ne sont pas réputées belles. Mon travail est un travail très controversé qui, au départ, a jeté vraiment complètement l'effroi parce que je crois que j'ai touché un nerf et donc il y a eu un moment d'agressivité totale à l'égard de ma personne. Mais les choses ont beaucoup changé depuis 90. Je pense que les gens comprennent beaucoup plus mon travail. Je pense que j'ai tout un public de jeunes, particulièrement de la cyberculture, qui adorent les transformations physiques et qui sont prêts à plein de choses, au piercing, à plein de trucs. Donc ils comprennent bien mon travail. Et dernièrement, une chose qui est assez amusante, c'est qu'en fait ce sont les stylistes qui actuellement se réclament de mon travail. Moi je suis absolument harcelé par la télévision et par les journaux qui n'arrêtent pas de dire des choses complètement contradictoires qui n'ont rien à voir avec ce que je veux dire et faire. Je peux raconter une petite histoire, je ne sais pas si elle vous intéressera. En revenant de New York avec mes deux bosses sur la tête, qui à cette époque-là étaient beaucoup plus grosses que maintenant, un ami m'a dit voilà, je t'organise une très grande fête dans une boîte de nuit, mais c'est un chantage. Je veux qu'en même temps tu acceptes que je fasse une grande conférence de presse, et donc j'ai accepté. Pour qu'ils arrêtent de dire des bêtises, et donc j'ai accepté. Et je me suis retrouvé devant une cinquantaine de journalistes de la presse étrangère, à qui j'ai dit, vous voyez ma tête, je ne veux pas ressembler à la plus belle des personnes, je ne veux pas être l'idéal des beautés, comme vous n'arrêtez pas de le dire dans les journaux, je ne veux pas ressembler à Mona Lisa, je ne veux pas ressembler à Vénus, qui est certainement le modèle de beauté que je combats. Et bien, je vous assure qu'il y a eu plus de 50% de titres qui étaient « Elle veut être la plus belle des femmes, elle veut être l'idéal de toutes les beautés, elle veut ressembler à Vénus ou elle veut ressembler à Mona Lisa ». Il n'y a pas beaucoup de choses qui me mettent hors de moi, parce que je sais me contenir, me maintenir, mais effectivement,
tout ce qui est a priori idées reçues et tous les gens qui sont extrêmement fermés m'ennuient beaucoup. Et bien évidemment, le racisme, l'intégrisme religieux, ou même la religion tout court, hein, ou, qui me paraît absolument une des belles histoires pour essayer que la vie soit plus simple à vivre, et en particulier la mort. Et on croit encore que la douleur est une chose belle et bonne. Le plaisir est une chose belle et bonne. Le plaisir est rédemption, le plaisir est purification. Doit être au contraire le plus lucide, le plus à distance de notre société et nous renvoyer des images qui nous permettent de repenser notre société et son avenir. Ma devise préférée est « Souviens-toi du futur ».